Allez, salut tout le monde des gens et bienvenue pour le 8e épisode. Je m'étais trompé la dernière fois sur le précédent épisode, je vous avais dit 9e, maintenant c'était le 8e. Donc on va s'attaquer à Nitrous Brio, un des boss un peu complexe mais faisable je pense à force. Vous voyez, il a pas mal de vie. Et on le bat juste en touchant ces petits blobs. Vous voyez, il teste son élixir et il devient Hulk Brio. Voilà, fallait le taper en sautant sur sa tête. Donc j'ai dit un peu n'importe quoi. Il est très simple, premier try, premier réussite, hop. Je pense que le prochain niveau, hop. Donc c'est le labo. Donc oui, donc c'est un des niveaux les plus costauds, je crois. Vous voyez, elle les trappe. Fallait aller plus vite. Donc là, il faut attendre. J'avais pas vu, j'ai pas fait attention à ce petit blob. Donc là pareil, on recommence du début. Donc là je sens que je vais faire fail sur fail. Donc là on fait attention à ce petit blob. Là. J'ai pourtant sauté au bon moment. Je vais essayer de faire attention là où j'ai failli me faire avoir. Je me suis fait avoir, je suis allé trop vite. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. J'ai failli faire une erreur. Ah non, j'ai eu une vie. Ce qui est toujours intéressant. Donc là, je vais essayer de faire attention au bloc prochain. Ok, j'ai glissé. Et il y a des morts bêtes des fois dans ce jeu. Hop. Mais bon, après, au bout d'un moment, on connaît par cœur, mais bon, il faut avoir la connaissance du jeu. Il y a plein de caisses. Là, faut faire attention, c'est traître. Heureusement, à cause du glitch, j'ai pu voir. Heureusement, il rajoute des vies. Je pense que pas loin, il va y avoir un checkpoint. Donc là, vous voyez. Ah, bah là, j'ai un checkpoint grâce à ça. Heureusement. Donc là, ils sont gentils. Je crois que je. Là, je vais y aller direct. Je préfère avoir la sauvegarde et un checkpoint.
64% complété. Je sauvegarde. Et je reprends là où j'en étais. Hop. Là, je le sens mal. Ah non, en fait, fallait le taper quand il avait pas d'électricité sur lui. Ah, je l'ai tapé. Ah, mince. Heureusement, maintenant il y a le checkpoint là où il faut. Le taper au bon moment. Voilà. Heureusement, il y a un checkpoint. J'ai eu peur, je me suis dit je vais me faire avoir. Ah, je sentais le piège. Donc là, hop. Ah. Ouh là là, ça devient costaud. Heureusement, le checkpoint est juste avant. Hop. C'est bizarre. Ah ben non, j'ai dû le prendre en route. Ah, j'ai fait une erreur. Malheureusement, j'ai pas sauvegardé au bon moment. Donc, je vais reprendre un peu en arrière. C'était juste. T'es une mort totalement bête de ma part, hop. Donc, comme on peut le constater dans le jeu, c'était pas les boss qui étaient super chauds, c'était surtout les. Oh mince, je tape au mauvais moment chaque fois. Là. Chaque fois c'est sur le fil. Hop, donc là je vais essayer de me concentrer. Hop. Récupérer cette vie. Donc là vous allez me voir refaire le machin, mais je vais essayer de le passer le plus rapidement possible. Donc là, encore 64%, donc repasser la sauvegarde. Oui, 32 le. J'ai fait déjà 28 sur 32 levels, sachant que hop. Donc là, lui. Oula. J'ai failli faire avoir. Passer au bon moment. Ah, le checkpoint. J'ai tapé au bon moment.
Heureusement, j'ai récupéré plein de vie. Hop, c'est bizarre, je reconnais pas cet endroit. Je vais mettre ici. En fait, je crois pas reconnaître cet endroit parce qu'en fait, les trucs indiqués ne sont pas. Sont buggés en fait. Je pense qu'il y a. Ça devait être indiqué des. Ça devrait être des. Comment dire, des TNT. En fait, ça indique des caisses à la place. Oula. D'accord. Ah, je me suis fait écraser par la porte, d'accord. Bon, ça arrive. Vous voyez, d'habitude ça doit être indiqué des caisses, et en fait là c'est des TNT bizarrement. Donc, je vais mettre là. Oui, on peut se mettre là, je pense que je pourrais passer tranquillement. Et mince. Trop tôt. Et hop, je vais mettre là. Attends. Voilà. Là, pareil. Là, je vais essayer de faire attention, de pas me faire écraser par la porte. Je vais quand même essayer de récupérer le plus possible. Au bon moment. J'en étais sûr que j'allais fail sur le dernier. Donc là, vous voyez, je dois recommencer de très très loin. D'ici, je recommence. Hop. Je touchais pas. Donc là, je vais mettre là sur le côté. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. C'est bon, hop. Ah, j'ai sauté trop rapidement. La faute que je fais pas là, hop, je fais. Ok, oh. Faire une faute, ça ne pardonne pas. Si j'avais eu un masque, ça aurait été mieux. Mince. Non, là, je fais faute sur faute. Ah, j'étais trop près. Hop. Malheureusement, hop. Qu'ai-je fait? Le plus loin possible. Pourquoi j'ai pas tapé? J'ai hésité parce que je me suis dit qu'il allait peut-être avoir les mains. Hop, électrifié. Pourquoi je suis resté là-haut? Là, je fais n'importe quoi, je vais vous dire. Hop, j'espère ne pas fail pour le prochain. Je suis quand même zéro vie. Là, je peux le taper. Là aussi, je vais essayer de bien me concentrer. Ça commence à être des niveaux, un niveau quand même dur. Et vous avez vu, j'étais pas loin de la fin tout à l'heure. Je me suis collé contre. Donc là, je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer, j'ai dit. De me concentrer.
ou sur le fil. Donc là, vous voyez, c'est la fin. Faut pas que je fasse d'erreur. Et voilà. C'était dur, hein. Désolé pour les sauvegardes internes, mais bon, je voulais pas vous faire quand même un épisode que sur ce passage. Donc le grand hall. Bon, que je vais vous expliquer un peu ce que c'est ce grand hall. Donc en fait, le grand hall, ce qu'il faut savoir, c'est que là vous voyez un diamant, mais en fait il faut récupérer tous les diamants du jeu. Et en fait, vous avez une deuxième fin. Donc je vais vous spoiler, mais vu que vous avez vu le jeu en même temps que moi. En fait, vous aviez deux fins, ou vous alliez directement battre le docteur Cortex, ou vous alliez sauver la fille, donc la fille Bandicoot, qui bien sûr après disparaîtra des prochains opus. Et là donc c'est le combat final contre le docteur Cortex, qui est très simple. Et là vous voyez, à chaque fois ils nous mettent des je crois que le vert, je peux le renvoyer. Voilà, le vert, je peux le renvoyer. Voilà, vous voyez, le bleu fait office de... Ah, vous voyez, il en faut qu'il en emmagasine deux. Ah, je me suis fait toucher. Heureusement, j'ai encore un masque. Vous voyez, un bleu, un bleu. Donc là, je crois que c'est 3. Voilà. Ah, il commence à tirer de plus en plus vite. Ah, là c'est 2, ça va de plus en plus vite après. Ah, c'était le dernier. Le... Et voilà. C'est le final. Donc là aussi on sauve la... qui, je vous dis, disparaîtra et sera remplacé par contre par la petite sœur de Crash, que vous verrez bien sûr au prochain opus, que je vous ferai juste après celui-ci bien sûr. Ça sera le deuxième Crash. Donc je crois que l'on ne peut pas passer le... On peut pas passer le générique. On peut le mettre en pause, mais on peut pas le passer. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, c'était le dernier épisode. Je pensais pas vous faire si peu d'épisodes, je pensais être aussi long. Bon, je vous en ai fait très peu quand même, pour vous éviter quand même de pas avoir trop de répétitions dues à mes fails. Donc là je pensais vraiment pas faire tous ces niveaux aussi rapidement. Ça fait super longtemps, ça doit faire quand même plusieurs années que j'ai pas retouché à ce Crash. Je crois que, sans me vanter, je crois que ça fait... la dernière fois que j'ai dû y toucher, c'était... Ouais, ça doit faire quand même... Allez, sans me mentir, peut-être une bonne... au moins 5 ans, j'allais dire au moins 10 ans, mais non, je crois que 5 ans. La dernière fois que j'ai joué, c'était pour re-essayer, mais... Hop. Donc voilà, donc... Ouais, non, je veux pas faire passer le machin, mais apparemment, il est pas très long. À l'époque, c'était des petits... Ouais, regardez, on est déjà à la fin du générique, donc voilà, vous voyez, c'est pas très, très rapide. Et en plus, on est à la fin de la vidéo, mon minuteur me l'indique. Et donc voilà, on arrive au...
Et on pouvait aussi utiliser un système de passe, de, comme à l'époque, comme dans les vieux jeux, un système de mots de passe pour revenir sur un niveau ou un endroit précis du jeu. Les sauvegardes étaient que très rares. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ces épisodes de Crash et donc au prochain Crash. Allez, salut à tous!